Ok, salut, c'est Mathias. J'espère que tu vas super bien. Moi, en tout cas, ça va nickel parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer en 5 minutes comment tu vas pouvoir demander ta carte Visa crypto.com. Donc voilà, c'est des cartes personnalisées vraiment très stylées et je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire pour les obtenir. Et donc, si tu ne connais pas l'application crypto.com, tu vas la connaître aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc, c'est une application qui nous permet d'investir et de spéculer sur la crypto-monnaie pour faire des profits. Et cette application nous permet d'obtenir des cartes Visa crypto.com exclusives qui nous offrent un certain nombre d'avantages que je vais te présenter dans cette vidéo. Ces cartes crypto.com vont vous permettre d'avoir un compte Netflix 100% gratuit. Autrement dit, vous aurez un cashback de 100% avec votre carte crypto.com. Spotify sera également 100% gratuit, 100% remboursé grâce au cashback de votre carte Visa crypto.com. Donc autrement dit, tu vas pouvoir regarder Netflix et utiliser Spotify Premium pour un montant de 0 €. Mais ces cartes Visa crypto.com ont également d'autres avantages. Parce que oui, vous aurez jusqu'à 8% de cashback sur toutes vos dépenses, qu'elles soient locales ou à l'étranger. Ces cartes n'imposent pas de dépenses maximum ou minimum requises. Autrement dit, vous pouvez faire des virements du montant que vous voulez. Et même avec la carte Midnight Blue, qui est la carte la plus simple à obtenir sur crypto.com, vous recevrez 1% de cashback sur toutes vos dépenses. Et la bonne nouvelle, c'est que pour obtenir l'une de ces cartes Visa crypto.com, tu as juste besoin d'un téléphone portable, d'une connexion internet et de regarder cette vidéo en entier. Et donc en résumé, tu vas pouvoir utiliser l'une de ces cartes Visa crypto.com pour chacun de tes achats quotidiens avec un cashback qui peut s'élever jusqu'à 8%, donc avec une remise de 8% sur chacun de tes achats. Donc c'est vraiment une opportunité incroyable qui va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Donc si tu n'as pas encore installé l'application crypto.com, je t'invite à le faire via le lien que je t'ai mis en description. Je te rappelle également que j'ai mis un chapitrage sous la vidéo pour que tu puisses te repérer dans la vidéo et voir les sections qui t'intéressent le plus pour gagner un maximum de temps. Je vais donc te montrer comment tu vas pouvoir obtenir une carte Visa crypto.com et tout ça gratuitement dans cette vidéo. Let's go, c'est parti, je te montre ça maintenant. Ok, donc là on se retrouve sur mon portable et donc on est sur l'application crypto.com. Et donc dans un premier temps, on va voir les différentes cartes crypto.com, donc les différentes cartes Visa crypto.com qui sont disponibles. Donc pour ça, vous avez un onglet cartes tout à droite de l'application. Donc on va se rendre sur cet onglet et là on a accès à toutes les cartes qui sont disponibles sur l'application crypto.com. Donc c'est des cartes bancaires que vous pourrez utiliser dans votre quotidien, pour vos achats quotidiens. Et donc il y a plusieurs types de cartes et donc en fonction de la carte qu'on va gagner, en fait, de la carte qu'on va demander, on aura plus ou moins d'avantages. Donc cette carte s'appelle la Midnight Blue Privilege et donc en gros c'est la carte la plus simple à obtenir. On voit que en termes d'avantages, elle nous offre 1% de cashback sur tous nos achats. Donc qu'est-ce que c'est que le cashback en fait? Tout simplement un remboursement. Par exemple, si vous faites un achat à 10 € et que vous avez 50% de cashback, vous payez 10 € et vous avez un remboursement de 5 €. Autrement dit, vous payez que la moitié. Donc le cashback en fait, c'est un remboursement. Physiquement, il ressemble à ça, donc c'est une carte bleue, voilà, c'est un peu basique pour le coup. Mais donc, elle nous offre un privilège donc de 1% de cashback. Le matériau de la carte, c'est du PVC, basique en fait, j'ai envie de dire. Paiement sans contact validé, vous pourrez faire des paiements sans contact, vous pourrez payer partout où Visa est accepté. La devise de base, donc c'est de l'euro. Pour l'instant, vous ne pourrez pas obtenir cette carte sans avoir rempli la condition que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, on passe au niveau suivant. La seconde carte, c'est tout simplement la Ruby Steel. Donc là, elle est un peu plus stylée, je trouve. Donc on est sur du rouge argenté, c'est quand même la classe. 2% de cashback sur nos achats et un cashback de 100% sur Spotify. Autrement dit, lorsque vous allez payer votre abonnement Spotify Premium avec cette carte, il vous sera totalement remboursé, ce qui fait que vous n'allez pas payer votre abonnement. Jusqu'à 12 $ ou par équivalent remboursé chaque mois avec cette carte, ce qui fait que Spotify est complètement gratuit. Autre information, frais mensuels, il n'y en a pas, frais annuels non plus. Frais de livraison, c'est totalement gratuit. Et là, une condition pour obtenir cette carte qui est super importante, acheter et conserver pour 350 € de tokens, donc de crypto-monnaie CRO, pendant 180 jours pour recevoir la carte Ruby Steel. Autrement dit, pour demander et recevoir cette carte, vous allez devoir investir pour 352 CRO pendant 180 jours. Une fois que cette condition sera validée, et vous allez pouvoir obtenir la carte Ruby Steel. Et donc 180 jours, ça fait à peu près 6 mois. Cette fois-ci, au niveau des matériaux, on est sur du métal, on est sur du PVC, donc le métal, ça pèse son poids, donc c'est une carte qui est beaucoup plus lourde en termes de poids. Paiement sans contact, c'est validé. Paiement partout où l'entreprise Visa est acceptée, ok. Et donc devise de base, euro, enfin bref. Voilà pour la carte Ruby Steel, qui quand même nous offre des avantages beaucoup plus intéressants que la Midnight Blue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'obtenir pour un montant donc de 350 € qui sera investi en CRO. Ces 350 € ne sont pas perdus puisqu'ils sont investis en crypto-monnaie. Et par définition, les crypto-monnaies nous
nous appartiennent et on pourra les reconvertir en euros pour récupérer notre argent au bout des 180 jours, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On passe ensuite à la troisième carte de disponible, donc là il y en a deux pour le prix d'une, il y a la Jade Green et la Royal Indigo. La Jade Green, c'est celle qui est en verte, donc c'est du vert argenté, encore une fois, c'est très très stylé je trouve, et on a la Royal Indigo qui elle est en bleu argenté. Au niveau des avantages, on est sur des avantages beaucoup plus conséquents, parce que ces cartes nous offrent 3% de cashback sur nos achats, sur tous nos achats. On a également 100% de cashback sur Spotify et Netflix, ce qui fait que là, tout simplement, avec la Jade Grid ou la Royal Indigo, on a Spotify et Netflix gratuit. On a également des avantages pour les salons d'aéroport et on a 10% de récompense de CRO stackés. Donc la carte nous offre 3% de cashback, on a des avantages pour les salons d'aéroport, on a Spotify gratuit, donc qui est remboursé, et on a Netflix de rembourser avec cette carte. Donc il n'y a pas de frais mensuels, pas de frais annuels, pas de frais de livraison. Et cette fois-ci, la condition pour obtenir cette carte est beaucoup plus élevée, parce qu'il va falloir acheter et conserver pour 3 500 € de tokens CRO, de crypto-monnaie CRO, pendant 6 mois, 180 jours, pour recevoir la carte Royal Indigo ou Jade Green. Donc pour avoir ces cartes, il va falloir investir 3 500 € en CRO pendant minimum 6 mois, que vous pourrez ensuite récupérer. Le matériau, c'est du métal, encore une fois, paiement sans contact, paiement ou visa est accepté, devise de base euro. On passe ensuite à la quatrième section de cartes disponibles. Il s'agit de la Icy White et de la Rose Gold. Donc la Icy White, c'est celle-ci, elle est blanche argentée, c'est du métal argenté, et la Rose Gold, bah, c'est du rose argenté. Donc là, encore une fois, on augmente en gamme et on augmente également en privilège, parce que ces cartes nous offrent un cashback de 5% sur tous nos achats, donc c'est quand même assez énorme. Cette fois-ci, on a 100% de cashback sur Spotify Premium, Netflix et Amazon Prime. Vous avez ces trois plateformes pour un prix de 0€. On a également une remise de 10% sur toutes vos réservations Expedia. On a une récompense de CRO stackée de 12%. Donc achetez et conservez pour 35 000 € de CRO pendant 180 jours pour recevoir la carte Rose Gold. Donc je vais vous expliquer en fait en quoi consistent ces conditions, comment elles fonctionnent dans la suite de cette vidéo. Mais cette fois-ci, dites-vous qu'il va falloir sortir 35 000 € de votre poche, les investir en crypto-monnaie pendant une période de 6 mois. Donc vos 35 000 €, vous pouvoir potentiellement spéculer à la hausse ou à la baisse pendant 180 jours. Et ensuite, une fois que vous aurez passé ces 180 jours, vous pourrez recevoir la carte Rose Gold ou Icy White. Donc matériaux, métal, paiement sans contact, partout où Visa est accepté, comme d'habitude. Donc voilà, là on augmente en gamme. Et la dernière et cinquième carte disponible sur crypto.com, il s'agit de la carte obsidienne. Donc là, c'est vraiment une carte qui est le top du top, c'est du noir métal argenté. Cette fois-ci, c'est vraiment les plus gros avantages que peut nous offrir les cartes Visa Crypto.com. On a 8% de cashback sur tous nos achats, donc quotidien, donc c'est énorme. Vous avez 100% de cashback donc sur Spotify, Netflix, Amazon Prime. Vous avez des avantages pour les salons d'aéroport, vous avez 12% de récompense de CRO stacké, 10% de remise cette fois-ci sur vos réservations Expedia et Airbnb. À chaque fois que vous allez réserver sur Airbnb, vous aurez 10% de remise sur toutes vos réservations. Mais donc la condition pour avoir cette carte est vraiment énorme, tout simplement parce que vous allez devoir acheter et conserver pour 350 000 € de crypto-monnaie CRO, donc pendant 6 mois pour obtenir la carte Obsidienne. Autant vous dire que là, il faut déjà avoir un gros capital de départ. Forcément, il y a des cartes qui sont beaucoup plus accessibles. Et cette carte-là, bah vraiment, c'est si vous avez un gros capital de départ et si vous êtes prêt à prendre ce genre de risque. Et donc, vous l'aurez compris, le point commun entre toutes ces cartes, c'est que pour les obtenir, il va falloir respecter un certain engagement qui consiste tout simplement à stacker, à investir donc dans les CRO et à les stacker sur l'application crypto.com. Et donc, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir investir de l'argent dans les CRO, comment les stacker, en quoi consiste le fait de stacker des CRO. Je vais tout vous expliquer dans cette deuxième étape. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cartes Visa Crypto.com sont totalement gratuites à obtenir. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de débourser d'argent, vous avez juste besoin d'investir de l'argent pour le montant de la carte que vous souhaitez, qui vous sera demandé donc pendant une période, une durée de 6 mois. Autrement dit, vous allez devoir investir la somme d'argent qui vous sera demandée par la carte bancaire que vous voulez pendant une période de 6 mois dans les CRO, qui est tout simplement la crypto-monnaie de l'application crypto.com. Autrement dit, vous ne dépensez pas d'argent, vous l'investissez, mais encore une fois, vous n'êtes jamais sûr de savoir si la somme que vous avez investie va spéculer à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que pendant ces 180 jours, l'argent que vous aurez investi sur les CRO va prendre le cours donc de la crypto-monnaie CRO. Et au bout des 180 jours, vous pourrez demander la carte en question. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire stacker
de la crypto-monnaie. Donc cette expression désigne l'ensemble des crypto-monnaies possédées par un investisseur sur son portfolio de devises. Par extension, stacker une crypto-monnaie signifie conserver son capital de façon prolongée. Donc dans tous les cas, votre argent ne sera pas perdu, vous allez juste l'appliquer au cours de la crypto-monnaie CRO, ce qui fait que soit votre argent va prendre de la valeur, soit il va en perdre par rapport au jour où vous l'avez investi. Mais dans tous les cas, si vous misez une somme sur les CRO pendant 180 jours, vous pourrez demander la carte Visa Crypto.com que vous aurez choisie. Mais entre nous, il y a de très fortes chances que le CRO prenne de la valeur parce que Crypto.com est une application vraiment super utilisée dans le monde de la crypto-monnaie. Elle est très facile d'utilisation, elle est très instinctive et beaucoup de débutants se lancent sur Crypto.com. Donc voilà, c'est vraiment une crypto-monnaie qui a vocation à prendre de la valeur avec le temps. Vous n'avez pas trop de soucis à vous faire là-dessus. Mais par exemple, si on regarde le cours du CRO sur les 6 derniers mois, on voit quand même qu'il a pris de la valeur. Il a fait du plus 200%, donc il a pris énormément de valeur, donc c'est quand même une crypto-monnaie qui a vocation à prendre de la valeur et à ne pas en perdre. Et donc là, on va passer à l'étape 3 sur 5, je vais vous montrer comment vous inscrire à crypto.com pour ceux qui ne sont toujours pas inscrits. Ça va vraiment être très très rapide. Si jamais vous n'avez pas encore installé l'application crypto.com, vous pouvez le faire avec le lien que je vous ai mis en description. Via ce lien, en fait, vous allez pouvoir toucher 25€ bonus en stackant 5000 CRO. Donc ça veut dire que si vous investissez de l'argent pour 5000 CRO, vous toucherez 25$ bonus si vous vous inscrivez via le lien que je vous ai mis en description. Nous, on va passer à l'étape 4 sur 5. Mais avant ça, n'hésite pas à m'indiquer en commentaire quelle carte bancaire tu voudrais demander sur crypto.com. Voilà, indique-moi le nom de la carte bancaire que tu veux en commentaire. Là, c'est simple, admettons que vous ayez choisi la carte crypto.com que vous voulez obtenir, donc vous vous rendez dans l'onglet carte comme je vous l'ai montré au début de vidéo. Moi par exemple, je vais me focus sur la Ruby Steel parce que je trouve que c'est une carte qui offre quand même un bon avantage avec 2% de cashback sur tous nos achats et Spotify Premium gratuit. Donc pour demander la Ruby Steel, c'est simple, vous cliquez sur sélectionner Ruby Steel juste ici. Donc il ne reste plus que 4 étapes pour finaliser votre demande de carte. Là, je vais devoir acheter et détenir du CRO pendant 180 jours. Donc, je fais continuer. Donc, achat et détention requis, 350€ de CRO pendant une période de 180 jours. Après 180 jours, vous pourrez retransférer vos CRO vers votre portefeuille sans aucune condition attachée. Autrement dit, là, vous allez accepter d'investir 180€ sur du CRO pendant une période de 6 mois. Au bout de ces 6 mois, de ces 180 jours, crypto.com va vous envoyer une notification comme quoi le délai est terminé, vous allez recevoir votre carte Ruby Steel ou peu importe la carte que vous aurez choisie et vous pourrez donc récupérer la somme que vous aurez investie sur les CRO, sauf que cette somme aura spéculé à la hausse ou à la baisse. Donc là, on voit que 350€ à l'heure actuelle équivaut à 961 CRO. Donc pour ça, je peux utiliser directement mon compte bancaire. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur stacker 961 CRO pendant 180 jours. Et donc, on va passer à la cinquième et dernière étape de cette vidéo. Donc une fois que vous avez choisi votre carte bancaire, que vous avez investi la somme requise pour avoir votre carte bancaire, et une fois que les 180 jours se sont écoulés, vous recevez une notification de crypto.com, comme quoi vous pouvez récupérer donc la somme que vous avez investie sur les CRO, et maintenant vous allez recevoir votre carte bancaire. Mais comment se passe le délai de livraison? Temps de livraison estimé pour les titulaires donc de cartes en Europe ou au Royaume-Uni, cela signifie que vous pouvez espérer recevoir votre carte sous 7 à 14 jours ouvrables. Autrement dit, une fois que vous avez reçu la notif de crypto.com comme quoi les 180 jours sont écoulés, vous allez recevoir votre carte bancaire sous 7 jours ou 14 jours. Voilà, donc le délai de livraison n'est pas précis, mais entre 7 et 14 jours, vous allez être livré et vous allez recevoir votre carte bancaire Visa Crypto.com. Et donc si vous voulez savoir comment mieux utiliser l'application Crypto.com, comment acheter, échanger, transférer de la crypto-monnaie, j'ai fait une vidéo spéciale, vraiment très condensée, très résumée et très simple à comprendre. Je vous invite à aller checker cette vidéo que je vous mettrai en description également. Voilà, en tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de vous avoir présenté cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si t'as la moindre question en commentaire, n'hésite pas à me la poser. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Abonne-toi, lâche un petit pouce bleu, pose tes questions en commentaire. Si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le groupe Telegram privé. Puis voilà, je t'ai à peu près tout dit. Je te souhaite en tout cas le meilleur et j'espère te revoir très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. À très très bientôt. C'était Mathias.